Paris le dimanche 26 mai 1901. Chère tante Louise, je me décide enfin à t'envoyer les cartes postales que je t'avais promises. Ce matin, avec Pierre, nous avons pris le train à la gare de Vaugirard pour aller au bois de Boulogne manger sur l'herbe. Il fait une journée très belle et nous essaierons d'aller voir Montmartre. Je t'enverrai une carte de là-bas. Doux souvenir de ta petite Jeanne. Qu'est-ce que c'est la petite ceinture pour vous? La petite ceinture pour moi, c'était un moyen de transport qui a existé jusqu'en 1934 et que je regrette bien de ne pas avoir connu fonctionnant continuellement. Parce que je trouve que c'était un outil merveilleux pour pouvoir se déplacer et faire le tour de Paris. J'ai voulu approfondir en allant la suivre par la route, le long, comme un pèlerinage un petit peu. Aujourd'hui, j'ai fait un dernier voyage autour de Paris, sur les voies de chemin de fer de ceinture, comme Jeanne au début du siècle. En remontant vers le nord, je me suis arrêtée en gare des Meuniers, rue Claude de Camp, dans le 12e arrondissement. J'y ai découvert Jean-Jacques Varin, l'homme des bois. On est chez lui comme à la campagne. Il a transformé les quais en jardins dans la ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver tel végétaux qui est en train de disparaître, c'est de remettre en place tel végétaux qu'on a éliminé. Comment s'appelle, ça va du noisetier en passant par frisier sauvage, en passant par l'épine binette, en passant par des tas de trucs. Sur la petite ceinture, c'est un espace abandonné, il doit y avoir des églantiers, il doit y avoir des genêts, il doit y avoir des tas de végétaux. Il y a des endroits, des espaces non négligeables sur le plan surface qui pourraient être réaménagés ou qui pourraient être entretenus tels qu'ils le sont, de façon à ce que le Parisien ou le banlieusard, à promiscuité, dispose d'une petite campagne. Ce qui est standard, c'est de parler un argot pas possible et d'être en plein Panem, et puis de sortir de chez moi, là, de mettre mes bottes de chasse, de prendre ma bêche, de prendre mes outils pour travailler les sols ou les végétaux, en plein Panem. Alors ça, je trouve ça sensationnel, parce que il y a des tas de mecs à Panem qui voudraient avoir un jardin, qui voudraient avoir un truc. Bon, de faire ça sur le boulevard Masséna ou de faire ça sur le boulevard Auguste Blanqui, c'est emmerdant. À la belle époque, il faut presque 2 heures en train pour faire le tour de Paris, pour changer de village, aller d'un faubourg à un autre. Ainsi, on va de Vincennes à Montrouge ou de Montmartre à Auteuil, juste pour une balade. Empereurs, rois et maharajas prennent aussi la petite ceinture pour visiter la ville lumière. En cet après-midi où le ciel de Paris est si lumineux, et c'est en fait un signe porte-bonheur qui nous est donné déjà. Voilà que nous partons dans un train de pèlerinage en vue de quelque chose qui est ce qu'on appelle d'ordinaire un voyage au petit cours, et qui est en réalité une exploration au long cours de la mémoire. Quelques précautions, tout est permis à bord de ce train, sauf évidemment ce qui n'est pas possible. Mais je vous en préviendrai à l'occasion. En réalité, il faudra que vous jouiez avec l'intérieur des compartiments et puis le couloir, car c'est un tantôt à gauche, tantôt à droite que nous allons vivre. Née avec l'essor du chemin de fer au Second Empire, la petite ceinture relie Paris aux provinces françaises. Et en 1867, les nouveaux habitants des faubourgs vont prendre la petite ceinture pendant plus de 60 ans. C'est l'apogée en 1900, avec près de 40 millions de voyageurs. Dans le 20e, entre Avron et Charonne, j'ai croisé des artistes. Avec eux, la petite ceinture est un lieu d'inspiration dans la ville. Un entracte dans l'espace et dans le temps. En fait, la petite ceinture est une vraie piste, tantôt surélevée, tantôt enterrée, cachée ou au grand jour. Une réserve naturelle, avec ses rails et ses longs tunnels. Comme sous Ménilmontant et Belleville. Nous sommes donc tractés pour l'instant par la 230G 353 qui, locomotive légère, nous restitue un petit peu le climat des chemins de fer du temps de la ligne, puisqu'effectivement c'était des trains à peine plus importants que celui-ci. On ferme la porte s'il vous plaît, on ferme la porte, parce que là on est en plein dans le réseau, bon. Et donc ça peut être dangereux, vous fermez les portes s'il vous plaît. La petite ceinture en fait a été arrêtée à cause du métro. Le métro s'est développé dans Paris et a absorbé tout le trafic de la petite ceinture. Autrement dit, là où il y avait des millions de voyageurs en 1900 pour l'exposition universelle, petit à petit le trafic a chuté et en 1934, eh bien, les compagnies de chemin de fer qui étaient des compagnies privées à l'époque ont décidé que ça ne valait plus le coup et donc ont arrêté la petite ceinture. Et toute la partie sud, effectivement, entre Henri Martin, oui c'est ça, Henri Martin et Auteuil a été abandonnée. Et effectivement, le terrain intéresse beaucoup de monde, donc la tranchée a été couverte pour faire des parkings, des tennis, des parcs, parce que tout ça c'est de l'argent. Dans les années 60, la ligne a été cassée avec la disparition du viaduc d'Auteuil. Depuis, on ne peut plus aller en train des beaux quartiers à la rive gauche. Il faut maintenant contourner Paris par le réseau de Grande Ceinture. Ainsi, le chemin de fer de Ceinture n'appartient plus qu'à l'histoire. La particularité de la petite ceinture, c'est qu'elle a été tellement oubliée qu'elle en est rendue plus vivante. Elle vit par le sang, par le regard des gens qui habitent ou qui s'en servent, hein, parce que c'est un lieu d'usage, d'usage quotidien. Elle occupe un emplacement, cet emplacement qui se trouve à la lisière de Paris et de la banlieue. Autrement dit, au point de rencontre entre deux mondes. Et là, c'est un lieu, justement, de contact, où on est au contact, comme on dit, entre les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur. Et une frontière, c'est quelque part une zone franche. Et zone franche, franc veut dire libre. cette petite ceinture, finalement, aujourd'hui, on la met en caveau, on l'enterre, on l'entunnelle, on l'envoûte, mais on ne peut pas lui ôter sa magie, à moins d'arriver à la dépecer complètement. Et peut-être c'est à ça qu'on arrivera. Mais en tous les cas, je pense que parce qu'elle occupe une place privilégiée dans la géographie de Paris, elle résiste. Parce que c'est vrai qu'elle est résistante. Pensez bien que fermée en 1934, elle est là 60 ans après. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Gare des Coteaux, le samedi 3 mars 1962. Chers parents, je profite de cette carte postale pour vous demander de joindre à mon colis ma petite boîte de couleurs, un flacon d'essence de térébenthine et le pinceau qui est dans la table de ma chambre. Comme ça, je pourrai vous ramener quelques esquisses de la Seine et des environs de Paris. Je vous embrasse très fort, Camille. Par la vieille ligne d'ici les Moulineaux, nous rejoignons la Petite Ceinture. Grenelle, Le Courbe, Vaugirard, les parcs et les tunnels de la rive gauche. En fait, le problème n'est pas tant la Petite Ceinture sur rail. Le problème, c'est de garder cet espace pour qu'il y ait des rails, pour qu'il y ait des gens, en tous les cas pour que les pouvoirs n'y mettent pas leur nez. Puisqu'on a la chance d'avoir quelque chose qui continue de vivre dans une espèce d'autonomie, d'autogestion sauvage, je voudrais défendre ça. Ben voilà un lieu qui a l'air de plus évoluer et d'être mort, et qui justement est celui qui évolue. Envahie par la nature, la Petite Ceinture est une oasis dans la ville. Comme une escale à la campagne. Le paradis du piéton de Paris. La Petite Ceinture, c'est un lieu de passage. C'est un lieu qui est, empreint de poésie. Et on y revient pour découvrir d'autres choses. Et on peut y venir la nuit aussi. Dans certains tunnels, il peut y avoir des accès pour les carrières et après pour rayonner partout sous Paris, quoi. Mais je vous dirai pas où c'est. C'est à vous de découvrir. Et en fait, il s'avère que c'est vraiment une mine d'or pour découvrir des matériaux. Moi, je récupère tout un tas de matériaux hétéroclites, des morceaux de béton, des ferrailles. Et là j'ai récupéré un morceau de rail. Oh, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je verrai, quoi. Ce qui fait la force de la Petite Ceinture avant tout, c'est la diversité des gens qui y viennent. Donc il y a les graffeurs, les tailleurs, les gens qui vont descendre après dans les carrières, les cataphiles. Il y a tout simplement les amoureux de la nature qui se promènent, qui profitent de toute la verdure qu'il y a tout autour au niveau des voies. Enfin, la Petite Ceinture reste à découvrir.